jubilons, 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 jubilons pour le Seigneur, qui vole de joie. Puisons, puisons. Jubilons, chanson du chanteur-compositeur Mathieu Cossier. Retrouvons-le maintenant pour l'émission Pop Louange. Mathieu Cossier nous présente des artistes chrétiens qui allient dans leur musique foi et joie, dynamisme et profondeur, intériorité et modernité. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Pop Louange. Nous sommes ravis de continuer de découvrir l'album 1 du groupe Allo et aujourd'hui nous avons la joie d'être avec Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Mathieu. On est ravis. Hein. Alors toi tu nous viens de quel coin? De Valence aussi? L'Ardèche. L'Ardèche. Ah, ouais. Ouais, la Voulte, la petite ville de la Voulte sur Rhône en Ardèche. D'accord, génial. C'est au sud de Valence. D'accord. Ah, on commence à l'entendre un peu dans ton accent, peut-être. Alors, je te propose de faire un peu plus connaissance avec toi. Qu'est-ce que tu préfères dans la vie? Ça craint si je dis manger. Ah non, attends, il faut être naturel. Il faut être authentique. Hein. De toute manière, le Seigneur nous appelle à être authentique. Est-ce que tu as une devise? Une petite phrase avec laquelle j'ai grandi, c'est « quand on veut, on peut et rien n'est impossible ». Et du coup, moi, ça a été un peu une forme de... Ça a fait ressortir en moi la détermination, en fait. Un élan de vie à faire les choses et à ne pas me dire « c'est impossible ». Et encore plus... En Dieu vie, ouais. Rien n'est impossible à Dieu. C'est impossible en Dieu. Eh ouais. Quelle chanson écoutes-tu le plus en ce moment? Bon, là aussi, vous allez rigoler, hein, mais j'ai trois enfants. Et du coup, la chanson du moment qui me demande tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour, c'est A Million Dreams du film The Greatest Showman. Ah ouais, ouais, oh, ah, j'adore. Mais j'ai ouais. Quatre enfants à la maison et ils n'arrêtent pas non plus de danser dessus et de chanter dessus. Voilà. Je vois bien ce que ça peut donner. D'ailleurs, je conseille aux auditeurs ce film qui est absolument plein de joie et plein de messages, je trouve aussi très, très biblique en fait. Alors, dans la chanson qu'on va écouter, donc que tu as écrit, qui s'appelle « Aucun autre nom », tu nous proposes à la fin de la chanson, pendant que la musique continue, tu nous déclames un texte biblique. Alors, c'est assez original. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu pourquoi ce texte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette démarche? En fait, pour le coup, là, on voit bien l'esprit du collectif parce que l'idée de proclamer ce verset donc, de Éphésiens 1, 20, 21, il est venu au moment de l'enregistrement. En fait, lors de nos dernières interventions, quand on pouvait encore le louer en communauté... Dans le bon temps. Voilà, c'est ça. C'est Stéphanie qui porte ça, de proclamer des versets pendant les temps de louange. Et on a découvert à quel point c'était puissant de proclamer des versets. Et aucun autre nom, c'est déjà un chant de proclamation. Mmh. Du coup, c'était un peu une évidence pour nous de choisir un texte et de le proclamer au cours de ce chant. C'était un moyen d'être encore plus engagé. Dans les paroles qu'on chantait et envers Dieu. Donc vraiment cette importance de centrer notre regard sur le Seigneur et de mettre Jésus-Christ à la première place. Alors on va tout de suite écouter cet extrait. Donc je rappelle aux auditeurs, c'est le groupe Allo, H-A-L-O, que vous pouvez retrouver sur leur site allomusique.fr. Je vous encourage à acheter, écouter, partager, diffuser, c'est génial cet album. Et donc là c'est le titre « Aucun autre nom », écrit, composé par Sandra de l'homme. On écoute. Aucun nom au-dessus de ton nom. Nous élevons nos voix vers toi. Nos voix vers toi. Nos regards sont centrés sur toi. Nous gravons ton nom. Nos regards sont centrés sur toi. Nous gravons ton nom. Ton nom sur nos toi.
aucun ennemi ne nous vaincra. En toi est la victoire. Aucun ennemi ne nous vaincra. En toi est la victoire. Aucun ennemi ne nous vaincra. Aucun ennemi ne nous vaincra. En toi est la victoire. Aucun ennemi ne nous vaincra. Aucun ennemi ne nous vaincra. En toi est la victoire. Aucun ennemi ne nous vaincra. Aucun ennemi ne nous vaincra. En toi est la victoire. Christ est assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Dieu a tout mis sous ses pieds. Aucun nom au-dessus de ton nom. Nous élevons nos voix. C'était Aucun autre nom de l'album 1 du groupe Allo, écrit par Sandra Delhomme, que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous sur Pop Louange. Alors Sandra, on vient d'écouter ce chant qui porte vraiment l'importance de centrer son regard sur le Christ, sur celui qui est assis à la droite du Père, hein, comme tu nous as cité dans Éphésiens. Est-ce que tu peux nous partager un témoignage peut-être de cette importance de centrer notre regard sur le Seigneur ? Mais donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis maman de 3 enfants en bas âge. Hein, l'aîné a 5 ans et demi. Et ça, c'est un défi constant. Et en fait, dans cette nouvelle vie de maman, je me suis un peu mis en tête de prouver à Dieu que je pouvais être à la hauteur. Et je voulais vraiment qu'il soit fier de moi dans cette nouvelle facette de maman. Voilà. Et en fait, petit à petit, j'ai détourné mon regard de lui. J'ai plus pris le temps de lui parler, de lui demander de l'aide. Et je lui ai consacré moins de temps. Et en fait, ça a créé un vide et un réel manque qui est pas très agréable à vivre. Et du coup, quand on se retrouvait avec Allo, soit pour les répètes, soit quand on était invité dans les églises, ce moment-là, pour le louer, c'était enfin un moment que je lui consacrais et où mon regard était à nouveau centré sur lui. Et il y a rien de... pour moi, il n'y a rien de meilleur. Voilà, c'est, pour ceux qui font de l'apnée, c'est comme cette première bouffée là, d'oxygène qu'on prend après un long moment d'apnée. Et c'est juste tellement bon quand nos regards sont... En tout cas, quand mon regard est centré sur lui, la vie est bien meilleure. Donc vraiment cette exhortation, même dans le quotidien, même dans cette routine qui souvent en fait nous empêche de prendre du temps pour le Seigneur, vraiment de se dire, bah oui Seigneur, je veux me recentrer sur toi. Qu'est-ce que tu voudrais que les auditeurs retiennent ? Quel est ton message vraiment profond ? Mais justement qu'ils arrivent à consacrer un petit bout de leur temps pour écouter cet album, et pas dans une démarche de forcément de critique musicale ou autre, mais qu'ils arrivent à faire pause, comme on a pu le faire aussi pendant ce premier temps, notamment de confinement, de consacrer ce temps à lui, de ne regarder qu'à lui et de se laisser pénétrer aussi par son esprit. Bon, c'est vraiment ce qu'on souhaite à nos auditeurs pour cette semaine, hein, de prendre ce temps de cœur à cœur finalement avec le Seigneur, se laisser transpercer par son amour qui nous relève, qui nous guide, qui nous permet de vraiment rentrer pleinement dans la vie. Merci beaucoup Sandra d'être avec nous aujourd'hui. Et puis bah, plein de bénédictions hein, pour le groupe Allo, et on te retrouve encore la semaine prochaine avec plaisir. Bonne semaine à toi. Ciao Sandra. Merci. Plus de ton amour, plus de...
de ta présence, plus de ta puissance. Merci d'avoir écouté l'émission Pop Louange. Elle était présentée par le chanteur-compositeur Mathieu Cossier. Retrouvez ses albums et son actualité sur la chaîne YouTube Pop Louange, ainsi que sur son site mathieucossier.com. Plus de ta puissance, je veux plus, plus de toi en moi, pour ma vie, mes combats, plus de toi.